Bonsoir. Dans quelques instants, bonsoir Mika. Alors en fait, moi je suis le parrain de la mêlée des chœurs. Ça fait, alors les chœurs, C-H-O-E-U-R-S, hein, les chorales. Exactement, hein. Des chorales. Il y a des milliers d'enfants autour de la France qui ont appris à chanter. Ça fait un an qu'ils se préparent. Et parmi ces milliers d'enfants qui se préparent dans cette mêlée des chœurs, il y en aura quelques centaines qui vont chanter, ils vont faire les hymnes nationaux avant chaque match dans les stades autour de la France. C'est un projet pédagogique, c'est l'insertion à travers la musique, c'est vraiment quelque chose de très beau parce que franchement le rugby se prête à ça. Je ne peux pas imaginer un autre sport où quelque chose comme ce grand projet de musique pourrait exister. Alors il faut préciser que vous allez participer, chanter pour la cérémonie de clôture et que c'est le rugby qui vous a offert votre premier Stade de France, Mika. Vous aviez Exactement. Chanté pour une finale de top 14. Eh ben, j'étais là pour le top 14. Oui, et nous aussi. C'est ça, et j'ai senti tout de suite la différence dans ce monde du rugby. Franchement, l'ambiance ce soir, elle est exceptionnelle. Il y a une ambiance qui est très 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 généreuse et elle est très joyeuse aussi. Et donc oui, je vais faire aussi avec les enfants, avec sans enfants, juste à côté d'ici, et le 28 octobre, je ferai la clôture aussi. On espère que ce sera pas vous faire une injure, grande fête. Hein. C'est pas vous faire injure que de vous dire que vous n'avez pas particulièrement un physique de rugbyman, mais est-ce que vous y avez joué dans votre jeunesse? J'en ai joué parce que j'ai grandi à Londres, et donc ça faisait partie de ça, j'ai eu mon baptême de goût. Peut faire un bon deuxième ligne, léger à lever. Je suis assez grand quand même. Je peux me défendre. Pour pousser Armélie, ça serait peut-être un peu limite. Ouais. Merci beaucoup à vous deux, en tout cas, d'être là.